Cette signature de convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers et la fondation Grand Cœur est axée sur la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Celle-ci permettra sans nul doute aux deux structures de mutualiser leurs efforts et leurs ressources pour les actions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie de la population et surtout les couches vulnérables. La Fondation Grand Cœur est en train d'appuyer toutes les actions publiques, d'appuyer les actions du gouvernement. Nous avons souhaité avoir la tutelle du gouvernement. C'est la raison qui nous a amenés à signer ce partenariat. Selon la ministre en charge de la formation professionnelle et des petits métiers, la question de l'emploi est une préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. La mise en œuvre effective des actions de formation, de l'entrepreneuriat et de la microfinance participe à la volonté de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de favoriser l'emploi et l'auto-emploi des jeunes en vue de leur insertion socio-économique. C'est à cela que s'emploie mon département pour faire la formation en lien avec le marché de l'emploi, afin de rompre avec la traditionnelle pratique de la formation sans lien avec les besoins de l'économie nationale. Madidian Pagarut, qui, à part ailleurs, salue les actions de la Fondation Grand Cœur dans le cadre de l'auto-emploi et de la formation professionnelle, exhorte cette institution à œuvrer davantage en faveur des personnes démunies.